Oui. Ah. On renique le générique ou pas? Je ne dis plus rien. C'est votre responsabilité. Je décline toute responsabilité au générique. Ah putain, elle était dure celle-là, dis donc. Je ne sais plus si c'était une cuite ou la manifestation de ce nouveau pouvoir que j'ai gagné, mais ça me fout un de ces mal de tête. Puis cette voix-là que j'ai aussi, puis on dirait que j'ai chopé la Covid. Et il n'y a pas cette petite voix fluette pour me dire où je suis tombé, tiens, d'ailleurs. Bon, je vous le dis, c'est une chambre normale, et dehors, j'ai l'impression de voir le monde du cinquième élément, mais en plus glauque. D'ailleurs, je ne peux pas sortir. J'ai pas le multipass. C'est con. Bon, allez, on se mate un peu la télé. J'allume. Bienvenue à tous. C'est le 225e jour après l'extinction de l'ampoule, et vous regardez votre émission préférée, Journa People. Aujourd'hui, un programme exceptionnel, vous allez le voir. Tiens, il a la même voix que notre narrateur habituel. C'est chelou. Notre premier invité, c'est la star de la télé-réalité, Joy Dachian, qui va nous parler de son actualité qui fait la une cette semaine, son augmentation mammaire. Il faut peut-être placer votre micro au-dessus de vos seins, mademoiselle Joy Dachian, on vous entendra mieux. Ah oui, en effet, merci. C'est mieux. Je disais que j'étais très heureuse d'être avec vous. Je la connais, elle aussi. Elle a morflé, la pauvre. C'est vraiment bizarre. Pour répondre à votre question, Romain, j'ai pris cette décision pour être en accord vraiment avec mon moi-même. Puis cela m'aide à respecter les distanciations sociales que le gouvernement de Nicolas nous impose depuis l'extinction de l'ampoule. Personne ne peut plus être à moins d'un mètre de moi. Et tant mieux, car personne ne m'arrive à la cheville. Ça, c'est de l'info. Je n'ai jamais sorti un scoop comme ça depuis la quatrième retraite de Rachida Dati. C'est génial. Le niveau est vraiment affligeant. J'ai mal pour eux. Bon, changeons de chaîne. Et tout de suite, notre troisième manche, notre grand champion JP va affronter un nouveau candidat nommé Marcel. Ah non, c'est Eric. Désolé, j'arrive pas à voir mes fiches plastifiées avec le reflet de mes dents si blanches. Mais bon, tout est permis à la star Julio. Non mais attends, je le connais lui aussi. Bon, là, il est orange, botoxé à mort, il a des dents plus blanches que la banquise. Ce monde craint. Attendez, vous osez prendre mal le fait que je vous ai appelé Marcel? Ok, on va voir. Vous voulez la jouer soft? Je ne suis pas contrariant. Vous voulez la jouer hard? On va la jouer hard. Tant pis pour ma permanente. Allons-y. Non mais what? Non, allez, ça zappe. Maintenant, Jean-Yves Dachian, pouvez-vous me donner votre pronostic pour le championnat de bataille de hamster qui a lieu ce soir? Les Gogo rencontrent les Bilto. Vous le savez, le tiercé, c'est mon dada. On parle de hamster, là, pas de chevaux. Je sais, mais c'est pareil. Vous savez que j'ai réussi une fois à étouffer un hamster en 15 secondes entre mes seins. Bon là c'est trop pour moi, faut que je sorte. Merde, putain de porte, ça s'ouvre pas. Bordel, mais comment je fais? Aidez-moi! Oh, tu vas te calmer, on dirait un petit sanglier qui s'excite depuis tout à l'heure. T'as pas le sommeil léger, dis donc. Il est grand temps que je reprenne la main sur ce récit parce que là ça devient n'importe quoi. Je sais pas de quoi tu rêvais, mais ça devait pas être Jojo. Vous êtes tous mûrs en vrai, à vrai dire, et tant mieux d'ailleurs. Je ne sais pas si je dois crier ou pleurer après ça. Ne fais rien. Je sais pas si c'est ton esprit tordu ou la Covid, mais tu vas loin quand même. Hein. Et puis, t'inquiète, j'ai tellement de belles aventures pour toi encore. L'ampoule n'est pas prête de s'éteindre. Mais alors, merci non pas à Romain, puisque voilà, 1er avril, première surprise de cette émission. Magnifique. C'est moi qui ai écrit l'histoire du jour. Voilà. Un Oscar pour Joy, direct. Ah ouais, là. Direct. Le hamster entre tes seins, j'avais vraiment l'impression de le voir. Déjà, le trophée de la tuerie de hamster, après l'Oscar, bon, on a tout. Mais je sais. J'espère que tu le rajouteras sur ton profil Tinder, parce que ça peut vraiment créer du trafic. Écoutez, après la voix FIP, la voix conne. Ah ouais, par contre, Joy, en accord avec mon moi-même, c'est une phrase des anges de la télé-réalité. Mais j'ai fait exprès. Oui, ah non, mais c'est un super jeu. C'est magnifique. Elle a tout dans la profondeur. Elle a magnifié le personnage que je lui ai écrit. Là. C'est... Ah, oui. Je suis flatté. Tout à fait. Elle a interprété à merveille. Tu lui as écrit, mais oui. Ouais, c'est terrible quand même. Joy Dachian, quoi. On est là. Au début, je voulais t'appeler Joy Billa. Joy Billa. Oui, mais je t'avoue que ça a été une grande source d'inspiration quand j'ai... Je me doute bien. Quand j'ai interprété ce rôle. Et dès la semaine prochaine, on reprendra avec les vraies histoires libres de droit de Romain. Ce n'était qu'une parenthèse. C'était du coup, on n'a pas d'indice pour notre jeu de rôle, non? On verra à la fin.